Bonjour et bienvenue dans le Vlogtobre 22. Hier, j'ai mis le Je le regarde là, le Rokiti, mais non pas le Rokiti, le Love Note au blocage. Il est quasiment sec. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse froid pour le porter. En attendant, je vous propose une petite vidéo thématique. Alors, vous m'avez demandé de faire un tour de ma bibliothèque tricot et couture. Alors, j'ai commencé par la tricot et encore, j'ai pas tout mis, je vous dis. Je vais commencer par deux livres que vous avez déjà vus sur les podcasts, Les animaux en pompon de Tricoterie. Voilà, que je suivais sur, que je suis toujours sur Instagram et je trouvais ça trop mignon. Je la suivais parce que c'était tellement mignon et j'ai toujours pas sauté le pas de faire un pompon animal parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué. Donc on verra. Mouche et ses amis. Que j'ai Sophie qui m'a fait le petit caneton. Alors comment s'appelle-t-il? Parce qu'il y a la canne et le caneton. Elle m'a fait un petit mimosa. Donc je vais pouvoir faire. Et elle m'a donné un mini. Donc je vais pouvoir faire un petit vêtement pour mimosa pour ensuite raconter à Bibou. Parce qu'après il y a l'histoire. Vous avez les peluches et vous avez l'histoire qui correspond à la peluche. Et. Bon, il y a beaucoup de livres où je vais dire, ah, mais j'ai pris, mais j'ai toujours pas fait, j'ai pas eu le temps. En revanche, j'adore avoir un ouvrage. Parce que bah, la plupart des patrons qu'on a sont sur version numérique. Même, bah, j'ai vu Marc Géva que tu cherchais une tablette pour lire les patrons. Donc quelque chose de plus grand qu'un téléphone. Et moi, j'ai tendance, la plupart des patrons, à les imprimer pour gribouiller dessus, pour lire. Je trouve ça plus facile. Et puis, il y a tellement de livres où c'est beau, je feuillette en disant « Ah, je ferai ça, je ferai ça. » Ça fait partie aussi du loisir de rêver sur ce qu'on pourrait faire. Et ça, en plus, bah, il y a les histoires. Donc, comme je disais, j'aimerais bien qu'il y ait les petites peluches associées aux histoires. Bon, là, Bibou, il est un peu petit encore, donc il faut pas que je tarde à les faire. Ensuite, au niveau accessoires, il y en a un que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. C'est le Handcraft de Isager, qui est en anglais. Alors, Animaux Pompons et Mouche et ses amis existent en anglais, mais là j'ai réussi à les avoir en français. Handcraft, il est en anglais. Donc je vous l'avais montré, il s'agit de patrons de gants et de moufles. Et est-ce que j'ai un petit récapitulatif? Voilà, là j'ai plusieurs moufles. Assez compliqué de montrer des livres. Et je disais que justement les photos étaient très belles et très graphiques. Et qu'on avait des paires de gants avec du travail de dentelle dessus. J'essaie qu'il y ait une certaine ombre parce que comme c'est du papier, la plupart c'est du papier glacé, ça reflète. Au niveau accessoires, alors là j'ai le tome 1. Voilà. Donc normalement c'est écrit sur le côté. Voilà. 52 semaines de chaussettes, tome 1 et tome 2. Je ne pense pas faire tous les modèles de ce livre, mais il y en a énormément qui me plaisent. Il y a des chaussettes en fingering, des chaussettes en déca, des chaussons. Et puis là aussi, j'aime beaucoup, mais bon, c'est typique de Laine Magazine, c'est les photos sont très belles. On a un graphisme
de photos qui est très beau. Et donc, normalement, ce sont des livres qui coûtent 45 €, mais ils sont réédités en couverture souple pour moitié prix. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si vous voyez deux prix pour les Laine Magazine pour les 52 semaines de chaussettes, sachez que celui à 45 €, c'est une couverture rigide comme celui-ci. Celui-ci, je ne sais même plus combien il m'a coûté, peut-être 15 ou 20 €. J'ai aucun prix. Et si vous voyez que vous dites non, mais c'est bizarre, ils sont en occasion, je sais pas quoi, non, en fait, s'ils sont 9 à 25 €, c'est parce que c'est des couvertures souples. Donc à vous de voir aussi, moi je sais que couverture rigide, couverture souple, j'ai pas de préférence. Et bonjour le chat. Le chat qui vient de temps en temps sur les vlogs nous rendre visite. Et voilà. Alors, petit aparté, quand on achète des patrons en livre, forcément, il n'y a pas de mise à jour par rapport à ceux en ligne. Et je pense que c'est pour un public plutôt avisé, plutôt pas expert, mais intermédiaire à confirmer en tricot, parce que les livres, ils sont limités en place sur les caractères, sur le nombre de caractères. Et donc, les explications sont plus courtes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai différents livres. On va faire les livres enfants. J'en ai 3. Même si après, dans ceux-là, il y a d'autres modèle enfant. Alors, le premier que j'avais acheté, c'était celui-ci. C'était Mademoiselle Quincampoix. Que j'avais rencontré parce qu'elle organisait des apéros tricot sur Paris, quand j'y habitais. Et donc, elle a fait des petits modèles bébés. Et j'en ai tricoté très peu, en fait. Dans le sens où c'était des laines très épaisses. Alors, les laines très épaisses, je vais montrer la vareuse par exemple. Voilà, une vareuse aiguille 7. Et moi j'ai remarqué que, effectivement, quand c'est en fil épais avec des grosses aiguilles, aiguille 7, je peux vous dire que les 3 pelotes de Paul de Fonty, pour la taille naissance ou les 3 mois, c'est tricoté dans la journée. Donc, c'est bien, pour, à la limite pour faire un cadeau express, etc. Mais je trouve que c'est trop gros pour les bébés. Regardez là, quand elle fait le revers, parce que souvent les manches peuvent être un peu grandes, ou alors... Même quand elles ne sont pas grandes, on va les retrousser pour que le bébé ait accès à ses mains. Donc je les ai trouvées... Ben en fait, je trouvais ça joli. Je me suis dit, ah ouais, en plus c'est en grosse laine, ça va être rapide. Mais c'est pas forcément vers ces modèles que je vais me tourner. En revanche, il y a des petits trucs mignons. Je me dis, la petite salopette... Et là, elle n'est pas trop épaisse, aiguille 5. Je pense que aiguille 5, c'est le maximum pour les... Enfin, de mon avis, en fait. C'est le maximum pour les petits. Donc, il y a un béguin. Par contre, le béguin, c'est sympa. Même si c'est aiguille 7, il est très joli. Et comme je disais, c'est vraiment pratique pour les petits, pour enfiler. J'aimais beaucoup, c'était celui-ci. Ben, vous voyez, il est en aiguille 4. Donc là, comment vous le montrer sans vous dévoiler le début. Voilà. C'est le petit pull bicolore avec des points dessus. Donc il y avait quand même des modèles qui me plaisent. Bon là, 12-24 mois, ça sera l'âge. Mais moi, j'avais craqué pour les accessoires dans ce livre, notamment le coussin. Donc quand Bibou aura sa propre chambre, voilà, il y a des coussins, il y a des petits
des petites peluches, il y a une couverture. Ouais. D'ailleurs, c'était ma belle-sœur. Quelqu'un lui a offert, je me demande si c'est pas sa propre belle-sœur, qui lui a offert la couverture avec des nuages. Non, celle-ci. Je sais qu'elle avait ça pour 9-1. Donc voilà. Donc il y a des modèles qui sont bien et il y en a d'autres, mais après c'est mon avis personnel, qui sont beaucoup trop épais. Voilà, dès qu'on dépasse les aiguilles 5, je trouve pour les petits, c'est pour moi c'est le maximum. Mais je vous avouerai que c'est quand même mignon et ça peut faire un cadeau express dans la journée. Alors, deuxième que j'ai, c'est les essentiels tricot de la naissance à 6 ans de In the Wool for Love. Et reproche que je ferai ensuite dans son équivalent adulte, c'est qu'ils ne sont pas portés. Les modèles ne sont pas portés, ils sont posés. Ils sont posés sur des décors. Et voilà, ils sont posés sur des décors. Et je suis pas sûre que ça soit ce qu'ils mettent en valeur. Alors, les photos dans celui-ci sont sublimes. Vous voyez, quand je vous dis que c'est des livres, des fois, de lecture ou refeuillettes, quand on cherche des cadeaux de naissance, des modèles. Donc là, il y a vraiment des modèles classiques. Et par exemple, la brassière, c'est 0,3 mois. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que j'ai énormément de magazines et de livres de Layette Fildar. Et j'avais envie, voilà, d'autres modèles pour changer un petit peu. Et surtout, voilà, je sais pas, des modèles un peu originaux, comme les petites culottes. Voilà, la culotte est tellement petite sur la photo. Vous voyez, c'est ça que je reproche, c'est que elle est très graphique cette photo, mais ça prend ça sur toute la page pour le modèle. Donc là, il y a deux tailles. Donc il y a la salopette en équivalent, une petite robe, bonnet, enfin bref. Et donc après, il y a des choses un peu plus grandes. Par exemple, là, le Teddy, 2, 4, 6 ans. Donc là, c'est jusqu'à 6 ans. Alors que là, c'est jusqu'à 2 ans. Donc celui-ci, j'ai. Mais après, comme je disais, c'était surtout pour les accessoires. Mais j'ai déjà fait des cadeaux. Voilà. Et le dernier que Pauline m'a offert, c'est Adorable tricot pour bébé et enfant, 0,6 ans, de Trine Franck. Parce que saine. Voilà. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté, il me semble que oui. Vous avez des modèles qui sont clairement filles, hein, comme cette jupe, trop mignonne. Et puis des modèles qui sont clairement affichés mixtes, puisqu'on va vous le faire dans deux couleurs, portées par une fille, portées par un garçon. Donc pareil, il y a des pulls, il y a des jupes, il y a des bonnets, il y a des petites robes, il y a un petit short, un petit pantalon, voilà. Donc c'est. Et puis ce que j'aimais bien, c'est que c'est. Il y a des textures. Voilà, soit il y a de la dentelle, soit il y a des textures, il y a des torsades. Voilà, il y a même une combinaison. Bref, et puis c'est des couleurs. Voilà, ils sont restés dans des couleurs très douces. Donc après, à nous de nous projeter. Moi, je pense que je vais faire ce petit pull-là, le petit pull orage. Vous voyez les manches en jersey, mais le corps est en petit rectangle, en petite texture. Je trouve ça très joli. Et là, est-ce que tous les modèles vont jusqu'à 6 ans? Oui, 9 mois, 6 ans. Bon, la plupart vont de
un an à 6 ans. Et il y a quelques modèles bébés. Donc là, par exemple, le pull orage, on voit mieux ici. Ça va de 6 mois à 6 ans. Après, après, pour les petits, voilà, c'est le 6 ans, c'est 7 pelotes. Donc tout de suite, c'est plus rapide à faire que pour les adultes. Là, la plupart des pulls que je lui ai fait en 2 ans. Il porte du 1 an, donc là, pour l'automne. Donc je me dis que pour cet hiver, il va peut-être porter du 18 mois, 1 an, 18 mois. Donc en prenant du 2 ans, je suis large pour aussi le début du printemps qui peut être frais. Alors on va passer au tricot adulte, même si dedans il y a des accessoires. Oh, j'ai oublié dans les accessoires, c'est vrai que je vous en avais parlé. J'ai pris celui de Charlotte Stone en anglais mais qui existe en français. Et j'ai pris celui de que j'ai prêté à Valérie. Mince, en plus Miss Manu a fait un cal dessus. Bon bah l'autre livre. De toute façon, j'aimerais bien cet hiver faire des chaussettes en jacquard. Mais comme d'habitude, voilà, j'aimerais, mais il faut avoir le temps. Donc, dernièrement, je vous ai parlé du Sentimental Tricot d'Alice Hammer, qui coûte 30 euros. Dedans, vous avez 15 modèles, donc ils sont tous sur la page arrière. Donc vous avez des pulls, des gilets, une étole, des bonnets, des bérets, voilà, c'est très varié. Et puis la plupart des modèles de pulls sont soit femmes, soit unisexes. Voilà. Et puis ce que j'aimais, c'était voilà, des torsades, des textures, voilà. Du Alice Hammer, voilà, du jacquard, du torsade, des textures. Je sais pas quoi dire de plus. Attention, elle aime les manches larges. Voilà, c'est des pulls. Voilà, moi j'avais commencé par la parisienne. C'est des pulls confort. C'était la première fois que je tricotais du circulaire. Elle aime. Ce que j'aime bien aussi, c'est que au-delà du fait que ça soit varié. Texture, jacquard, forme, c'est que elle utilise plein de matières différentes. Elle va pas utiliser que du mérino, donc c'est une designer, on va avoir de l'alpaga, de voilà, du yak, de l'angoura, enfin vraiment très très varié au niveau des textures. J'ai acheté pour 25 euros le tricot duo. C'est le livre de Laine Amouret, donc on m'a dit qu'il y avait eu des petites erreurs dedans. Laine Amouret, c'est une teinturière et elle n'a pas fait de modèle, mais elle a fait appel à des designers pour utiliser ses laines et en créer des modèles. Dans laquelle elle a regroupé, il y a Atelier Emily, il y a Lily comme tout. Il y a Marion Emnitz, Que font mes mains, etc., etc. Et pourquoi ça s'appelle tricot duo ? C'est que chaque designer, on fait deux patrons sur la même thématique. Alors, on a la présentation de Emily, voilà, du designer, suivi des deux patrons. Donc, Emily est partie sur un pull et la version gilet du pull. Vous avez certains, là je crois que c'est Lily comme tout. Voilà, Lily comme tout est partie sur un châle et une couverture bébé. Quoi d'autre? C'est par saison. Là vous avez les chaussettes et les chaussettes à froufrou. Marie-Amélie avait fait un gilet avec un top. Est-ce que les tailles sont les mêmes? Ah voilà, donc Marie-Amélie par exemple, elle avait fait un gilet enfant avec un top adulte. Donc ça c'était bien. Et pareil, dans ce livre, il n'y a pas que du mérino, il n'y a pas que du fingering. C'était ça qui me plaisait, qui était varié. Et ça me permettait aussi peut-être de tester des designers dont on entend parler et que je ne connaissais pas.
Alors, voilà, moi, le modèle qui me plaît beaucoup, c'est celui-ci. C'est le modèle cropped avec l'immense panneau de torsade devant. Il me semble que c'est le modèle de Loli Laffée. C'est ça. J'ai celui-ci, Wool Stories. Et j'ai toujours pas fait. Et je l'ai pris parce qu'on en avait beaucoup entendu parler. Pareil, c'est plusieurs designers qui ont proposé un ou deux modèles. Et je pense que le fait de voir un pull comme ça, pareil, hein, vous voyez, le pull il est là sur toute une page A4, ça, j'ai du mal à me projeter. Donc après, vous avez aussi Atelier Mini, Morgane Mathieu, voilà. Il y a des modèles, voilà, j'aimerais bien faire ce turban-là. Il y a des accessoires, il y a des gilets, il y a des pulls, voilà, il y a 15 designers, 30 modèles. Un jour peut-être, quand j'aurai du temps. Et un qui, à mon avis, va être... utiliser cet hiver parce que j'ai envie de... Je vais finir mon Alpine Bloom en jacquard. Et je pense que je vais me lancer là-dedans. Dans jacquard coloré. Donc pareil, Erika Tokai, c'est quelqu'un que je suivais sur... que je suis toujours sur Instagram. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Mais elle faisait du jacquard que des sacs. J'en ai un là. Que des sacs, comme ça. Et je me dis, quel dommage... qu'elle en fasse pas des vêtements. Donc je sais pas lequel je vais choisir parce que c'est quand même très c'est des pièces très farfelues quand même, hein, parce que là moi j'aime bien le gilet sans manches avec des lapins, c'est de pas voir, voilà, de pas vous mettre le reflet. Voilà, il y a ce gilet sans manches avec des lapins qui me plaît beaucoup. Et normalement, après, c'est... il est où ? Voilà, il y a les montagnes comme ça qui me plaisent beaucoup aussi. Bon, là, les montagnes, c'est moins farfelu. Elle joue sur le relief, sur le type de matière. Vous avez un pull avec une petite pelote qui se défait. Vous avez une jupe. Voilà, façon un peu plaid, jupe à carreaux. Le gilet, ici, avec des fleurs, des champignons, etc. Donc, je pense qu'on peut s'amuser, mais c'est... après, il faut assumer. Ah oui, l'ours polaire, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Regardez ce pull, comme il est magnifique. Mais bon, comme je vous dis, à l'école, je porte ma robe insecte. Les gens se sont habitués à mon côté farfelu. Maintenant, il y a des livres où je pense que je vais m'en séparer. Parce que je pense que c'est plus pour les débutants. J'avais pris en me disant, ah oui, je débute en circulaire, etc. Et puis, j'ai pas eu le coup de cœur. Pourtant, j'ai feuilleté en magasin. Je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Et puis après, quand on se pose à la maison, bon, ça me plaisait moins. Il y a les tricots circulaires de Kim Chui et les pulls tout doux de Charlove. Ouais, c'est dans les Mango Éditions. Oui, voilà. Petit livre de Mango Éditions. Donc ça, je pense que... Peut-être que je ferai un des stages. En tout cas, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur Ravelry ou Instagram. Et plus original aussi, Golden Hook. Je ne sais même pas si cette marque existe toujours. Le but, c'était de faire tricoter des grands-mères dans... et après de vendre les objets tricotés. Donc, et donc, il y avait quelques patrons. Mais bon, pareil, ça s'appelle... les mamies tricotent. Et il y a énormément de patrons crochets en fait. Bon, après on me l'a donné. Mais voilà, peut-être que je me séparerai
de celui-ci aussi. Donc là, effectivement, beaucoup, beaucoup de crochets. Et après, beaucoup de choses très simples pour les débutants. Mais bon, il y a là, les trois quarts des modèles, c'était du crochet. Je me suis dit, bon, mince alors, pour s'appeler les mamies tricotent. Donc 26 patrons. Maintenant, je termine par un livre qui n'est pas un livre de patron, mais qui est on va dire une bible, et qui coûte 35 $, donc qui est en anglais. Et voilà, Fleece and Fibre. Et vraiment, on a les différents... Les différents types, les différentes types de fibres, les différentes races de moutons... Et puis avec, voilà, vous avez la photo du mouton, la photo du type de fibre qu'on peut obtenir, d'où ils viennent, la couleur de leur poil. Bon. Qu'est-ce qu'on peut... On a d'autres comme... Et c'est impressionnant le... Bah, le nombre de races qui existent. Donc là, on peut parler de races, comme j'explique à mes élèves. Il y a les espèces animales et les races, c'est utilisé plutôt pour les animaux d'élevage ou pour une même espèce, puisque là, c'est l'espèce mouton. On va avoir plusieurs races. Mais il n'y a pas que les moutons, puisque vous voyez aussi qu'il y a les camélidés qui sont à l'honneur. Donc vraiment, c'est toutes les fibres animales qui sont utilisées. Et puis en début, en fin de livre, on a des cartes pour positionner où on retrouve les moutons, les alpagas, etc. Les yaks. Regardez comme il est trop beau. Avec ses petites décorations et tout. Bref. C'est, voilà, vous avez de l'angora... du lapin, vous avez vraiment, voilà, les autres fibres sont à la fin. C'est même, il y a des animaux, il y a le bœuf musqué, si vous ne connaissez pas. Et... Bref, donc on imagine bien que ces fibres, plus elles sont rares, plus elles sont chères. Mais souvent, c'est des animaux de grand froid, donc c'est des fibres qui tiennent très très chaud. Donc voilà le petit tour de ma bibliothèque, et comme je disais, je ne vous ai pas trop tout montré parce que j'ai aussi tous les catalogues Fil d'Art, et chez Fil d'Art ils font aussi des petites éditions, des mini-livres un peu style là, mini-livres souples avec pas mal de modèles, et ils sont très bien faits. Souvent c'est les éditions Marie-Claire, donc si vous hésitez des fois à acheter, feuilletez-les parce qu'ils sont très bien faits et je trouve que les explications sont suffisamment détaillées. J'espère que ce petit tour de bibliothèque vous aura plu. Il est temps que j'ouvre la porte apparemment au chat. Et je vous dis à demain.